Coucou à tous, on se retrouve, on est mercredi 31 mars, dernier jour du mois de mars. Là je vous prends dans ma voiture parce qu'en fait j'ai plus jamais le temps de vous jaser tellement que les journées c'est de la folie avec la reprise du travail là depuis 15 jours. Franchement il me tarde d'être le week-end, là on est mercredi, c'est hyper frustrant pour moi d'aller travailler le mercredi et de laisser les enfants. Et encore j'ai de la chance parce que ils sont avec mon mari, donc mince, voilà, je vais essayer de vous caler, voilà c'est bon. Donc comme je vous disais, j'ai de la chance, c'est que les enfants sont avec mon mari, donc ça me soulage, ça m'évite des allers-retours à aller les déposer à droite, à gauche. Ça permet que moi je m'occupe essentiellement de mes allers-retours à moi toute seule quoi. Et encore ce matin je suis allée déposer mon grand au collège, il commençait à 9h, donc j'ai gardé mon petit rituel d'aller le déposer parce que je trouve ça important d'essayer de garder nos petites habitudes, enfin voilà, et de leur consacrer du temps, parce que franchement je vous cache pas que c'est un peu la folie. Je suis dans un état de décomposition le soir quand je rentre à la maison, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Je tiens pas le soir, 21h, franchement je dors, je suis explosée, j'ai des douleurs partout. En fait j'ai déjà une sensibilité au niveau du haut de mon corps et de mon dos depuis que je suis toute jeune. J'ai grandi trop vite et j'ai plein de petits morceaux qui n'ont pas eu le temps de se consolider. Et qui sont fragiles et sous tension permanente, et qui fait que là, à faire 8 heures d'affilée, parce que en fait on fait 8 heures, des journées de 8 heures, avec 30 minutes de pause. Mais en fait on fait pas 30 minutes de pause, on fait un quart d'heure de pause, parce que faut compter nos temps de déshabillage et de rhabillage. Et faudrait voir, donc, enfin, j'essaierai de voir si je peux, mais c'est pas sûr, de vous rajouter une petite photo de à quoi ressemble à peu près ma tenue, parce que sur la photo il me manque quelques petits accessoires. Je suis désolée si ça bouge un peu, c'est parce que comme vous savez je suis en voiture et que je vous ai calé sur mes chaussettes parce que je prends des chaussettes moultonnées hyper chaudes pour mettre dans les chaussures de sécurité, parce qu'en fait là où je travaille il fait 3 degrés et on touche des ingrédients, parce que je suis dans l'agroalimentaire, qui sont à moins 10 degrés, donc comment vous dire que c'est du congelé hein, mais qu'il faut qu'on prenne des petits morceaux on doit prendre des petits morceaux de jambon, des petits morceaux de viande, de saumon, enfin voilà, plein de petits morceaux. Donc en fait on manipule tout le temps sur le bout des doigts des choses gelées, et franchement c'est très très difficile. Attendez, parce que je suis à un rond-point, voilà. C'est très difficile de manipuler des choses gelées avec les doigts gelés. Hier j'étais bien contente de faire une micro-pause parce que j'avais mon petit doigt qui était tout violet tellement qu'il avait froid. C'est vraiment des conditions de travail de... Hein, je dirais pas le mot en entier, mais vous m'avez bien comprise. Et dire qu'il y en a qui font ça depuis des années, alors elles disent qu'elles sont habituées, limite. Enfin voilà, c'est ça. Mais... Bon, je viens d'arriver au travail, ce sera plus simple pour vous parler. J'ai 5 petites minutes devant moi. Et encore toute petite parce qu'il faut que j'aille me préparer, m'habiller, mettre ma combinaison avant d'aller travailler. Il faut compter bien bonne 10 minutes le temps qu'on se prépare avant de travailler, parce qu'il faut être à 10h. Enfin là par exemple aujourd'hui je commence à 10h. Donc il faut que je sois à 10h sur la ligne. La machine commence déjà même à 10h moins quelques minutes. Ils sont pas en retard ici, hein. Ils sont au taquet. Donc je vous disais que la semaine prochaine je ne bosse pas, je me suis permise de me prendre une semaine, ça va me faire beaucoup de bien d'être avec les enfants, avancer dans les travaux, même si ce week-end j'ai vraiment avancé, notre chambre elle est complètement faite, j'avais fait toute la peinture, on a monté le lit, on avait mis le nouveau matelas, faut juste que on dort toujours pas dedans parce que je suis tout bête, j'ai oublié d'acheter la laise pour protéger le matelas, donc faut que j'arrive à trouver du temps soit demain soit après-demain après le boulot, parce que je finirai un petit peu plus tard. Ça, je finis à 18h30, et comment vous dire qu'avec le couvre-feu de 19h, et ça fait que quand je rentre, je ne peux rien faire derrière. Puis après il faudrait que je voie, que je remesure pour les commodes à aller acheter aussi.
Enfin voilà, il y a encore du boulot à faire. De l'autre côté, j'ai toute la tapisserie à défaire. Enfin voilà, je vous expliquerai plus tard. Mais là, je vais en profiter pour clôturer ce vlog parce que je crois qu'il va durer sur une semaine avec des bouts à droite, à gauche. C'est un peu le bordel. Je suis désolée pour vous. Je ne sais pas si ça a du sens, si ça a un intérêt, tout ça, tous ces découpages. Mais c'est un peu notre vie depuis 15 jours où c'est le bordel absolu. Donc voilà, donc la joie de la reprise de maman au boulot, enfin voilà, qui n'est plus maman au foyer à 100%, et bah ça fait que ça fait le bordel. Mais bon, on tient bon, les enfants le vivent bien pour le moment parce qu'il y a papa qui est là à 100%, donc ça fait un autre équilibre dans l'autre sens. Et bah on verra d'ici 15 jours quand ça va donner, quand maman va devoir travailler et papa aussi. Donc il va falloir que je m'occupe des services de garde matin, soir, mercredi, enfin voilà. On va voir ce que ça va donner tout ça et ce qu'il se lancera à ce moment-là. Coucou à tous, on se retrouve en fait le soir. Il est 18h, je suis déjà à la maison. J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai pu finir plus tôt. Je ne sais pas si c'est dû au président qui va prochainement parler ou pas, mais il y avait une baisse de production au niveau de l'usine. Donc ça a fait qu'on a pu être libéré plus tôt. Et quand vous dire que quand c'est comme ça, on crie intérieurement Youhou! Parce que franchement, à chaque fois que je rentre, j'attends qu'une chose, c'est de ressortir de cet endroit. Tellement que c'est. Voilà, c'est pas forcément ce que j'aime. Mais bon, donc aujourd'hui, contente. Tous les jours, limite, en ce moment, je reçois beaucoup de colis pour les enfants, pour la maison. Enfin voilà, il y a plein de choses. En même temps, voilà, je veux pas travailler pour rien non plus. Hein, donc faut savoir se faire plaisir aussi. Et c'est le but. Hein. Donc là, j'ai reçu le colis de chez Verbaudet que j'ai passé commande pour les deux petites. Parce que pour moi, c'est les deux petites qui ont besoin. Ce week-end, je vais avec le grand aussi. Il aura besoin de faire deux, trois petits achats. Donc voilà. Et moi-même, peut-être, je verrai. Mais sinon là c'est essentiellement pour les petites parce que leurs chaussures sont mortes plus. On leur a fait tirer les chaussures en mode on recolle là où ça se décolle. Mais il était vraiment grand temps de leur changer. Donc je vais vous faire voir ça. Et puis Rosie avait besoin de quelques petits pantalons parce que Rosie c'est une petite fille qui abîme tous ses pantalons. Et j'en avais de chez Okedi, il me semble. Mais ils sont pas. En fait, Rosie est une petite fille toute. Enfin, fine. Donc finalement, certains pantalons font que ça fait un peu trop grand. Et ça fait pas très très joli. Donc j'en ai pris d'autres. Et on verra bien ce que ça vaut chez eux. Donc, pour commencer, ça va être les petites baskets. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il fait super bon en ce moment. De Rosie, donc il faut qu'elle essaye. J'ai pris comme ceci. Je vais peut-être vous les sortir, ce sera mieux. Voilà les petites mignonnettes baskets. Donc je pense que ça ira. Je garantis pas dans le temps avec Rosie. Mais bon, pour le prix, ça valait le coup. Donc j'ai pris ça, un jogging. Comme ceci. Tout simple, mais c'est parce qu'elle a un pull bleu marine et rose en sweat. Donc voilà, donc je me suis dit ça ira bien avec. Tant qu'à faire, autant prendre les teintes qu'on a déjà pour éviter de racheter. Et ça, ce sont les chaussures de Lizzie. Ah, elles sont trop choues! Des petites kickers comme ceci. Et ce qui est bien, c'est parce que finalement, il n'y a qu'un scratch. Et là, ce sont des élastiques, enfin des lacets élastiques. Doudou. Alors, on verra aussi ce que ça va durer. J'espère que ça va lui tenir le pied. Mais bon, elles sont mignonnes. Espérons que ça aille parce que sinon, il faut que je les renvoie. J'ai déjà un article à leur envoyer. Il faut que j'aille samedi au magasin parce que je ne peux pas imprimer le bon. Après, c'est deux jeans à mousse aussi. J'ai pris deux teintes, celles que je mets tout le temps. Vous savez, c'est les jeans skinny, comme ça où tout est élastique. C'est hop, comme ça avec l'élastique. Donc voilà, tout simple. Hein. Et l'autre aussi.
comme ceci. Et voilà, ça elle en avait déjà et ça allait bien. Et après, j'ai complété avec 3 t-shirts. Normalement, c'est un ensemble et 2 manches. Voilà. Avec les petites cerises. Ou pommes. Pommes, cerises, je sais pas. Et après, comme ceci, avec des petites manches. C'est marqué quoi? À la folie, beaucoup. À la folie, un peu. Et si elle veut pas du tout? Non. Voilà. Et après, hop. Ça. Comme ça. Donc voilà le petit point vêtements, chaussures, des minettes et puis bah, je vais en profiter pour clôturer le vlog cette fois-ci et puis parce qu'en fait ça s'étale sur les semaines, ce matin, enfin voilà, ça s'étale sur plein de moments, ça a plus trop de sens, je sais pas si ça a du sens pour vous, donc bah voilà, je préfère clôturer maintenant et puis on se reprendra bientôt, donc je vous dis à bientôt, bye bye.